d'un parlement national devrait idéalement être logé dans un édifice qui reflète le statut de l'institution. D'une certaine façon, ces édifices temporaires sont à l'image du pays. Ces structures ne sont ni idéales ni luxueuses, mais elles ont l'avantage d'être là. Ces bâtiments vont nous offrir un cadre de travail acceptable en attendant la construction du local temporaire conformément à l'accord que nous avons signé avec la Chemonix USAID. Ils sont nécessaires et indispensables à l'ouverture des travaux de la 49e législature. Nous allons commencer ces deux de respecter, et de faire respecter les règlements de la Chambre des députés. Au terme de leur parcours parsemé d'embûches de toutes sortes, nous voici parvenus au terme d'une randonnée où les combattants d'une noble cause reçoivent le prix et la récompense de l'effort.